En marge de la visite de la ministre, des associations de défense des droits des peuples amérindiens ont souhaité se faire entendre. Ils se sont rassemblés à l'Institut Pasteur samedi après-midi pour réaffirmer notamment leur opposition au dépôt de brevets par des chercheurs de l'IRD sur le Kouachi. Les précisions du coordinateur général de la Fédération des organisations autochtones de Guyane. Droit à l'éducation, droit à la terre et au territoire, droit à la santé, parce que faut pas oublier une chose, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des postes de santé qui sont complètement délabrés, et je pense d'ailleurs à Capitaine Mélanie à Caillaudé, qui n'ont pas accès aux soins. Il y a les femmes enceintes qui viennent en Guyane et qui sont dans des conditions qui n'est pas acceptable. Concernant la ponte Kouachi, donc notamment la molécule simali-malactone, nous ce que nous demandons, c'est que ce brevet soit retiré. C'est une dépossession de nos savoirs ancestraux. Ce que nous voulons aussi, c'est qu'il y ait une indemnisation. D'accord, qui est une indemnisation et dans l'intérêt des peuples autochtones et locaux. Donc pourquoi pas créer par exemple un fonds fiduciaire qui pourrait nous servir à nous.